Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Je reçois Jean-Pierre Archambault, bonjour, qui est bonjour. Président de l'EPI. On va parler d'enseignement, d'informatique. Mmh. Aujourd'hui, quels sont un peu les enjeux de l'enseignement de l'informatique aujourd'hui ? Alors, un mot sur le contexte. Cette rentrée 2012 a vu la création en terminale scientifique d'un enseignement informatique et sciences du numérique. C'est un premier pas important qui en appelle d'autres. Et c'est en fait une recréation parce que dans les années 80, il y avait dans les lycées d'enseignement général une option d'informatique en seconde, première, terminale qui a été supprimée en 92, rétablie en 95 et à nouveau supprimée en 98. Donc il y a cette nouveauté qui fait que à l'ordre du jour, au programme de l'Open World Forum cette année, on a mis cette question de l'enseignement et de la culture informatique, au lycée notamment. D'accord. Donc effectivement, c'est un enseignement, on voit, qui a été mis en place, abandonné. Aujourd'hui, dans notre société du numérique, il y a un enjeu aujourd'hui quand même sur l'enseignement de l'informatique. Alors, il y a, à mon sens, un enjeu très fort qui recouvre à la fois... qui recouvre en fait les missions traditionnelles de l'école qui sont de former l'homme, le travailleur et le citoyen. Alors, et en fait, il y a un paradoxe. À l'heure actuelle, l'informatique et les sciences du numérique représentent 30% de la recherche et développement de par le monde, uniquement 18% en Europe. On peut dire aujourd'hui que l'informatisation, c'est la forme contemporaine de l'industrialisation. L'informatique est une science majeure du 21e siècle. Tout le monde s'accorde à dire que le numérique est partout. Le problème, parce que c'en est un, c'est que l'informatique qui sous-tend le numérique, comme la biologie sous-tend la médecine, comme la physique sous-tend l'énergie, eh bien, cette science, elle était jusqu'à cette rentrée absente de l'enseignement scolaire. C'est effectivement un gros paradoxe. On est tout le temps dedans et pourtant on ne nous apprend pas comment elle fonctionne. Oui. Et avec des conséquences, par exemple pour le monde de l'entreprise. En 2009, le schéma, la stratégie nationale recherche et innovation comportait un groupe mathématiques et informatique et dans les conclusions des travaux de ce groupe, il y avait le fait que les ingénieurs et techniciens non informaticiens n'avaient pas un niveau optimal en informatique, contrairement à leur niveau tout à fait acceptable et plus en mathématiques et en sciences physiques. Donc le fait que l'informatique ne soit pas présente dans le système éducatif en tant que discipline, ça a ces conséquences-là pour les entreprises. Qui ont du mal à recruter des informaticiens qualifiés, et puis peu ou prou pour tout le monde, parce que tout le monde, à un moment ou un autre de son activité professionnelle, utilise de l'informatique, et puis tout le monde est aussi citoyen. Voilà. Et par exemple, lorsqu'il y a des débats sur l'énergie, sur le nucléaire, par exemple, les citoyens peuvent s'appuyer sur ce qu'ils ont appris au collège, au lycée, en sciences physiques. On leur a parlé d'atomes, on leur a parlé d'électricité. Lorsqu'il y a des débats sur les OGM, peu ou prou, les citoyens, alors quand ils sont allés au lycée, ils peuvent faire référence à leur cours de sciences naturelles. Quid lorsqu'il y a Adopi, lorsqu'il y a DAFSI, lorsqu'il y a la neutralité du net? Jusqu'ici, ils ne peuvent s'appuyer sur rien. Pas de base pour réfléchir. C'est un problème. Tout à fait. Alors, quelle réponse on peut apporter aujourd'hui à ce problème? Alors, effectivement, il y a ces quelques heures de cours qui ont été mis en place pour les premières. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait mettre en place? À mon avis, là, il y a une option pour les terminales scientifiques, mais ce que je viens de dire sur la citoyenneté ou concerne tout le monde. Concerne tout le monde.
Et il y a une deuxième question qui est importante, c'est bon, l'enseignement scolaire, primaire, collège, lycée, fondamentalement, ça relève de la culture générale. Hein, on ne fait pas des formations professionnalisantes, sauf un peu dans les lycées professionnels ou dans les lycées techniques. Et donc la question qui se pose, c'est comment, depuis des décennies et plus, l'école donne une culture générale. Alors, par exemple, les sciences physiques utilisent les mathématiques. Pour autant, il y a un cours de mathématiques. Mm-hmm. Les sciences économiques et sociales utilisent des mathématiques. Pour autant, il y a toujours un cours de mathématiques. Donc la question qui est posée, c'est lorsque un champ de la connaissance est devenu incontournable au niveau de la société, l'école, sa réponse, c'est une discipline scolaire. Donc il faut... Il y a eu création cette année d'ISN en terminale S. Mm-hmm. Le ministre a parlé de son extension aux terminales ES et L. Donc la réponse, c'est une discipline scolaire. Alors, il y en a qui disent, oui, mais comment on va faire ? Il y a déjà des disciplines, tout ça. Mais la culture générale scolaire, les disciplines, ce n'est pas quelque chose d'immuable. Par exemple, le latin et le grec, aujourd'hui, n'occupent plus la place qu'ils occupaient il y a 50 ou 100 ans dans le lycée. En mathématiques, on ne fait plus les coniques en terminale. On ne fait plus de géométrie descriptive, mais on fait à la place des probabilités, des statistiques. Au début des années 70, on a créé une discipline sciences économiques et sociales. Autrement dit, la culture générale scolaire doit correspondre à la culture générale de l'honnête homme de son époque et aujourd'hui du 21e siècle. Autrement dit, cette création, c'est un premier pas, mais c'est incontournable, vu la place de l'informatique et du numérique dans la société, qu'on ait un enseignement en tant que tel au lycée, puis aussi au collège et à l'école primaire. Très bien, bah on aura bien compris effectivement votre appel à la mise en place d'une vraie discipline pour tout le monde, hein, pour, je dirais, rendre tous les citoyens aptes à comprendre ce qui se passe dans le monde de l'informatique, du numérique, qu'ils utilisent tous les jours. Je vous remercie beaucoup. Très bonne synthèse, merci. Bon forum, à très bientôt, au revoir. Merci.